Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va bien. Je reviens aujourd'hui pour faire un j'ouvre vos snaps. Donc je vous ai dit sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Instagram, que j'allais faire cette vidéo et vous avez été plusieurs à m'envoyer des petits snaps. Donc du coup c'est parti, je les ouvre avec vous. Alors du coup le premier snap, donc c'est celui de Margot. Hop, alors désolé, oui j'ai pas réussi à mettre sur la caméra, donc du coup je vais faire ça à l'ancienne avec mon téléphone devant ma caméra, voilà, c'est tout, ça va être comme ça, je suis désolée. Alors, celui de Margot. As-tu déjà trompé ton chéri? PS, t'es trop jolie. Hop. Merci, alors déjà merci pour ta question, merci, t'es trop mignonne. Alors non, j'ai jamais trompé mon chéri et ça ne risque pas d'arriver. Je comprends pas vraiment en fait ceux qui trompent. Pour moi, une fois qu'on est marié, enfin voilà, le divorce c'est quelque chose que j'arrive pas trop, mais après voilà, c'est vrai que c'est des situations un peu compliquées souvent quand on divorce, etc. Bref, passons, mais voilà, je comprends pas pour moi s'il y a quelqu'un d'autre qui nous attire et avec qui on a envie d'embrasser ou qu'on pense, enfin avec qui on pense des choses un peu plus qu'amicales, pour moi c'est que ça va pas, enfin c'est que tout simplement on n'aime plus la personne avec qui on est, ou je sais pas, ou voilà, on n'a plus autant les mêmes sentiments, donc du coup moi je préfère à la limite quitter la personne avec qui je suis pour aller avec une autre, enfin bon, pour moi c'est un peu fou aussi, mais voilà, moi le concept de tromper je comprends vraiment pas, mais après, voilà, chacun fait sa vie. Ensuite, donc là c'est une question écrite. Alors, donc je vous montre la petite photo, mais je vais le lire comme ça parce que sinon je vais pas réussir à lire. Reste comme tu es au top, tes vidéos sont géniales, bref, t'es l'une des meilleures. Tu as des projets pour la suite, bisous bisous Océane. Donc déjà merci beaucoup, c'est trop adorable, enfin merci beaucoup pour ce que tu m'as dit, ça me touche beaucoup, t'es toute mignonne. Alors tu as des projets pour la suite, alors oui, déjà des projets professionnels, moi dans ma vie, en dehors de YouTube, j'en ai beaucoup. J'ai plein de projets dans ma tête qui arrivent en dehors de là, mes études que je vais passer au mois de juin. Après, j'ai plein d'idées de vidéos, si tu parles de YouTube, oui, j'ai des projets pour des idées de vidéos, etc. Et je pense que c'est un milieu où j'aimerais vraiment beaucoup évoluer et où j'aimerais, bah voilà, être un peu plus présente parce que je sais que je suis pas trop présente sur YouTube, en tout cas pas comme j'aimerais. J'aimerais vraiment être régulière, faire une à deux vidéos par semaine, ce serait juste le top du top. Après, le temps et les événements qui se sont passés dans ma vie ne me le permettent malheureusement pas. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, voilà, être vraiment comme j'ai envie sur YouTube, pouvoir faire les vidéos que je veux, avec la qualité que je veux, etc. Mais c'est vrai que voilà, ça a un coût, ça prend du temps, il y a beaucoup de choses qu'il faut que bah voilà, ça se goupille mieux, mais oui, j'ai beaucoup de projets. Donc de Morgane Jouy. Hop. Ah, hey, je t'adore, je regarde toutes tes vidéos et tu es une idole pour ma sœur aussi, elle a une photo de toi sur son mur. C'est trop mignon. Eh ben écoute, merci beaucoup, c'est adorable, vraiment, je trouve ça trop mignon, merci beaucoup mille fois, et ben voilà, bon bah il n'y a pas de question, donc du coup je réponds pas, mais ça me touche ce que tu me dis, enfin tous ces petits mots, ça me touche énormément, donc merci beaucoup, et bah de gros bisous à ta sœur du coup. Ensuite, Poppy Jen, salut, est-ce que tu aimes aussi les jeux vidéo? Bise, avec une petite manette. Alors oui, j'aime beaucoup les jeux vidéo, voilà, mon chéri est un adepte en fait des jeux vidéo, voilà, il aime beaucoup ça, et du coup, bah c'est vrai que moi déjà avant d'être avec lui, oui, j'aimais beaucoup les jeux vidéo, mon frère jouait aux jeux vidéo, donc du coup, c'est vrai que, voilà, et ma soeur, non, pas vraiment, elle jouait pas aux jeux vidéo, mais bon, elle jouait à tout ce qui est Sims, etc., mon frère aussi, quand il était, oh là, dans les premiers Sims, je crois qu'on y jouait. Et donc voilà, donc j'adore les Sims, j'aime trop les jeux sur... Bah nous on a la PS4, donc du coup j'aime les jeux sur PS4, on avait la Wii chez mes parents, j'avais la Wii, j'aimais trop les jeux sur la Wii, j'adore Mario, j'adore... Là j'aime beaucoup Overwatch, là je suis en train de jouer à The Last Guardian, que j'aime trop, je trouve qu'il est super ce jeu. Après voilà, enfin moi j'aime beaucoup les jeux vidéo, je trouve ça hyper, hyper sympa à jouer, bon après je suis pas... Je pourrais pas y jouer toute la journée, je pense, à moins qu'il y ait un jeu vraiment que j'ai envie de finir parce qu'il est juste trop génial et que voilà, ça me donne trop envie. Mais sinon, ouais, j'aime bien les jeux vidéo. Ensuite, on a un message de Nella. Alors. Hey, pourrais-tu nous faire une routine? Sinon, je te fais plein de gros bisous. Salut, je voulais juste savoir quelle est ta marque de maquillage et de produits soins préférés. Alors, déjà, t'as des cheveux magnifiques. Je te le dis tout de suite. Et alors.
Est-ce que tu pourrais nous faire une routine? Ben oui, alors oui, je compte en faire une. Après, comme je vous disais, c'est des vidéos qui prennent un peu plus de temps où pour que ce soit vraiment une bonne qualité, je pense qu'il faut être deux. Donc j'attends aussi que mon chéri puisse m'aider parce que en ce moment, avec mes stages, etc., on n'a pas du tout les mêmes jours de repos. Donc c'est un peu compliqué, mais oui, je compte. Enfin, j'ai plein d'idées de vidéos et la routine, la morning routine, la night routine, une routine sport, une routine. Enfin, j'ai plein d'idées en tête que j'ai trop envie de vous faire et que j'ai trop hâte en fait de vous faire. Et il me semble qu'après c'était mes produits make-up préférés ou produits beauté préférés. J'ai pas forcément de produits préférés dans le sens où j'adore tout tester en fait. J'aime trop tout tester. Après moi je sais que mon chéri ce qu'il aime bien m'offrir c'est du make-up Yves Saint Laurent que j'adore. Enfin vraiment leur make-up sont... D'ailleurs ça c'est une nouveauté. Je sais pas si vous voyez bien mais ça c'est une nouveauté et je la trouve trop belle. C'est je vous le dirai de toute façon dans une vidéo favori à mon avis elle va y aller. Et sinon, évidemment, les Kat Von D, enfin, en ce moment, j'ai trop envie de tous les avoir, quoi. Pour l'instant, j'en ai pas encore testé un seul. Enfin, je l'ai testé en magasin et j'ai vu qu'il tenait vraiment bien et tout. Mais j'en ai pas encore chez moi, mais bientôt j'en aurai. Je suis sûre que je vais en avoir au moins un parce qu'ils sont juste trop géniaux et qu'ils sont trop beaux. Et que, voilà, Kat Von D, c'est vrai que c'est une femme que j'admire. Enfin, elle est trop belle, elle fait des super beaux maquillages. Et voilà, c'est une femme qui a très bien réussi et... Et clairement, c'est le girl power, quoi, avec elle. C'est un truc de fou, je l'aime trop. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup tester tous les produits, donc j'ai pas forcément un produit préféré. Après, c'est vrai que dans chaque catégorie, par exemple, dans le fond de teint, dans l'anti-cerne, dans le fard à paupières, machin, c'est vrai que j'ai des petits chouchous, mais sinon, voilà. J'aime bien alterner et tester plein de choses. Donc maintenant, donc c'est une question de Jade, donc c'est une question écrite. Donc, hop, je vous montre. Youp. Il est trop chou, ce snap. Alors, tu as quel âge? Tu fais quel métier? Sinon, gros bisous, continue comme ça. Merci beaucoup. Alors, je vais avoir 20 ans dans 2 mois. Et alors, comme métier, là, je suis en train de faire mes études pour être avec les enfants, être dans les crèches, dans les maternelles, etc. Donc, je passe mon CAP petite enfance. Et après, j'aimerais beaucoup tester dans l'événementiel. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, je pense, il me semble que je l'avais déjà dit, que je rêverais de faire wedding planner, voilà, c'est mon rêve, donc voilà, là je cherche des stages dedans, j'ai envie de vraiment de me donner à fond. Après, c'est un métier où il faut être H24 dessus, enfin la semaine vous préparez le mariage ou l'événement, et le week-end, enfin le samedi vous y êtes jusqu'au soir, et le dimanche matin à 6h t'es là pour tout ranger, donc voilà, ça te laisse pas beaucoup de temps à ta famille, donc après à voir. À voir parce que si j'y arriverai aussi parce que c'est un rythme qui est très compliqué, qui est très voilà, qui est très carré, etc. Donc faut voir si je peux y arriver. Et surtout je veux le faire avant d'avoir des enfants parce que après une fois que j'aurai des enfants, enfin je me vois pas en fait continuer en ayant des enfants à être pratiquement jamais là. Enfin moi c'est vrai que pour moi mes enfants j'ai vraiment envie de m'en occuper. Je suis une des deux catégories en fait. Pour moi il y a deux catégories, les femmes qui aiment leurs enfants, etc., mais qui ont envie vraiment, qui ont besoin de travailler et de faire quelque chose, et de, voilà. Et l'autre catégorie qui, voilà, qui aime voilà, s'occuper, évidemment faire des choses avec ses enfants, mais voilà, rester à la maison pour s'en occuper, etc. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie, donc pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça changera, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir m'occuper de mes enfants pleinement, et voilà, de pouvoir être voilà, à la maison avec ma famille, et voilà. Donc nous avons une petite vidéo de Manel Steel. Hop. Ça charge. Salut mademoiselle R, donc c'était pour ta question pour ta épaque. Donc est-ce que tu comptes adopter un nouveau chat? Voilà. Salut mademoiselle R, je voulais dire déjà que je t'adore, t'es trop belle, je te suis depuis très longtemps. Et je voulais te demander quand tu envisageais de partir aux États-Unis. Voilà, ciao ciao. Salut mademoiselle R, donc je voulais te dire est-ce que tu seras présente à la Get Beauty 2017? Donc voilà, et j'ai hâte de voir si t'es là. Juste, je voulais te dire, continue comme ça, t'es la meilleure. Surtout, change pas. Reste bien, en fait, parce qu'il y a certaines youtubeuses beauté qui vont partir dans l'extravagant. Je voudrais faire une dédicace à Farah. Vas-y. À Cyrine, à Sinem, à Sheima, à Fanta, à Jonas, en fait, à tous ceux de ma classe de 5e 1. Donc voilà, ciao ciao. Elle est trop mignonne, bah merci pour toutes tes questions et super la dédicace du coup, bah dédicace à toute ta classe de 5e A il me semble.
Bon alors je vais essayer de me rappeler de toutes les questions que tu m'as posées, c'est parti. Alors déjà, est-ce que tu comptes adopter un nouveau chat ou chien? Alors donc vous savez que j'ai déjà deux chats, dont un qui est là mais je pense que vous le voyez pas. Tu viens dire bonjour? Voilà, mon cas. Oh oui. Donc, c'est un de nos chats. Ça va mon cas? Regarde, dis bonjour. Non, non, je préfère aller jouer avec ton frère. Eh ben vas-y, chat indigne. Bon, alors en fait, donc on a deux chats. On a une petite chienne qui est là chez mes beaux-parents, mais c'est un petit peu compliqué pour la faire venir parce que c'est vrai qu'on est en appartement. Voilà, c'est un peu compliqué de la faire venir pour l'instant, donc on sait pas trop si on va la récupérer ou pas, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on pense vivement à agrandir la famille effectivement avec un troisième chat. Ça nous dit beaucoup, après je sais pas trop, enfin on est en pleine réflexion, on voit un petit peu, on a quelques contacts pour... Ouh pardon, merci les chats. Donc on a quelques contacts pour des Maine Coon, j'aimerais beaucoup moi avoir une petite femelle Maine Coon parce que déjà c'est beaucoup plus petit que les mâles. Et puis pourquoi pas lui faire faire des bébés et les faire se reproduire et puis voilà quoi. Donc voilà, donc oui on y pense mais après voilà c'est pas sûr, il y a beaucoup de... C'est beaucoup de contraintes aussi, un chat, etc. C'est, voilà, faut pouvoir s'en occuper. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'un chat, c'est... Voilà, alors, il y a l'avantage qu'il ne faut pas le sortir tous les... au moins 2-3 fois par jour. Mais, voilà, pour moi, il faut vraiment s'en occuper. Voilà, ça apporte... voilà, qu'il y ait plein de caresses, de joie et de bonheur. Après, voilà, il faut que ça aille aussi avec les deux autres chats qui sont comme ça. Enfin, vraiment, ils s'aiment d'amour, ces deux-là. Donc, il faut aussi qu'ils s'entendent bien. Parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent... qui se sentent entre parenthèses remplacés, donc voilà, on voudrait choisir carrément une autre couleur de chat, enfin vraiment non, on ne veut pas reprendre un roux ou un noir parce qu'on en a déjà un et ça nous ferait mal d'en avoir la même couleur parce qu'on ne veut pas qu'ils se sentent remplacés, je sais que c'est bête mais voilà. L'autre question, il me semble que c'était pour comptes-tu partir aux États-Unis et faire des vlogs? Alors faire des vlogs, j'aimerais bien, mais très honnêtement, mes journées ne sont pas passionnantes à vloguer. Quand je suis à la maison et que j'étudie ou voilà quoi, quand on part en week-end et tout, enfin là par exemple on est parti en Angleterre une semaine, j'aurais pu vlogger mais des fois on a aussi, enfin avec le travail de mon mari qui prend beaucoup de temps, des fois on a aussi besoin de se retrouver tous les deux et voilà d'avoir des moments à nous deux, donc voilà, mais oui, alors on pense à partir aux États-Unis, on aimerait bien se faire les parcs d'attractions d'Orlando, Disneyland, je sais plus c'est quoi l'autre, mais avec Harry Potter, etc. On aimerait bien, après voilà, pareil, ça coûte beaucoup d'argent, donc faut aussi, voilà, on vient de prendre un appartement, donc il faut voir les coûts, on a déjà deux chats à s'occuper qui, malgré tout, qui ça coûte de l'argent, parce que voilà, on aime s'en occuper, voilà, très bien, et voilà, on veut bien les nourrir, etc. Donc il y a tous les trucs de la vie qui font que... si on a les moyens, clairement, oui, on aimerait bien partir aux États-Unis, peut-être pas cet été, mais en septembre, octobre. Oui, on aimerait bien. Après, avoir, c'est... Voilà, c'est toute une question de financement et de temps aussi. Donc si on a le temps et le financement, oui, on aimerait beaucoup partir. On a beaucoup d'endroits où on aimerait partir, pareil, avant d'avoir des enfants et avant de plus pouvoir, à cause de notre travail, etc. Est-ce que je compte faire des vlogs si je pars en voyage, etc.? Oui, à fond. J'aime trop, déjà moi j'aime trop regarder les vlogs, c'est juste un truc qui me fait kiffer, j'aime trop ça. Donc j'ai envie de vous faire partager ça vous aussi, parce que je pense que vous aussi vous aimez en général, on aime les vlogs. Donc si je peux vous faire partager ce genre de choses, oui avec plaisir je le ferai, mais pour l'instant voilà, là j'ai pas grand chose à vlogger, donc pour l'instant non. Donc on continue avec donc Manel Style, donc ça on l'a fait avec Solène. Coucou Manel, donc j'ai hâte de recevoir ton colis, et je vais te dire un truc, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc là... j'ai la petite bougie, elles sont hyper bonnes, franchement. Gros merci, je suis trop contente et tout. Mais je vous en ai assez, en plus, je suis choquée. Voilà. As-tu des projets pour YouTube? Bisous, je t'aime. Bon déjà je suis très contente, donc joyeux anniversaire, voilà, il n'y aura pas la vidéo en même temps, mais très bon anniversaire. Je suis trop contente que ça t'ait plu. Et voilà, ça me fait trop plaisir son petit snap, donc merci beaucoup. Est-ce que j'ai des projets pour YouTube? Oui, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup rencontrer celles d'entre vous qui me suivent depuis longtemps ou même qui viennent me rencontrer mais qui aimeraient me rencontrer. Dites-moi si ça vous intéresse, peut-être
puisse faire quelque chose, je sais pas, je pense, je sais pas si ce sera possible, si on y arrivera, mais... Ah oui, il y avait la question aussi, est-ce que tu vas au Get Beauty? Non, bien, non, je suis pas encore... Enfin, je suis pas assez... comment dire, je dirais pas connue, mais... je suis pas vraiment une personnalité de YouTube, enfin voilà, je fais vraiment ça pour mon plaisir, etc. Mais j'ai pas non plus, voilà, j'ai pas non plus beaucoup d'abonnés, je pense pas avoir beaucoup de vues, etc. Mais en tout cas, oui, enfin, si un jour je peux faire la Get Beauty, ce serait un truc de malade, sincèrement. Alors, on continue, désolée si ça a bougé, j'ai reçu un appel de ma maman. Donc voilà. Donc, alors, tic 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 tic. Alors, de Margot, je t'aime trop. Merci beaucoup. Ah, c'est tout. Et bah, merci beaucoup, ma chérie. Moi aussi, je t'aime trop. Merci. Alors, tu es une personne super. J'adore tes vidéos. Continue comme ça. Merci, ma belle. T'es toute mignonne. Merci beaucoup, beaucoup. Oui, je vais continuer comme ça, promis. Donc voilà, donc je vous retrouve le lendemain parce que j'ai eu un souci de batterie. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai changé de haut, que j'ai changé, je suis pas maquillée pareil, etc. Avec la luminosité, je pense qu'elle doit être moins bonne parce qu'il fait pas beau aujourd'hui. En fait, j'ai pas pu finir la vidéo. Il y a eu d'autres questions qui me sont posées, mais en fait, j'ai vu qu'elle était déjà pas mal longue. Donc j'ai pas envie d'en faire voilà, des caisses, mais j'en referai une autre avec plaisir. J'ai trop aimé, en tout cas, avoir vos petits snaps, voir tout ça et vraiment... J'aime trop parler avec vous, c'est un truc de fou, j'aime trop ça, donc voilà, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook et bien sûr Snapchat, du coup c'est en adéquation avec la vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.